On en dit quoi? Et par le site pas pour la salle de péril. L'an 1788, le 25 de juillet, pour nommer votre lampeau et pour mettre de faux, Monsieur Manéon, Kenja et Majuillet sont condamnés au palais. Le terre confisqué. Sans coup, les peines sont applicables sous jour. Quelle faute? C'est une injustice. Nous ne pouvons pas payer, nous ne pouvons pas payer. Nous passons, nous écoutons. Dénémassez pas la sécheresse. Pitié, ça va faire des fonds d'enfermer. Silence. Que les observe à tous. Vous puissiez venir accuser. Père! 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 Je n'en pas votre père!
sommes opprimés comme sujet de la plus haute importance, sire. Évidemment, comptez, je le compte à toi. Votre Majesté. Je vous confie à votre frère. Conseillez-le bien. Je vous écoute. La situation est grave, sire. L'État est en faillite. Nous ne pouvons plus payer. Eh bien... Emportez. Que diable. Emportez. Personne ne vous plus prêter, sire. Et de toute façon, nous ne pouvions pas rembourser. Alors augmentez les impôts. Mon frère, vous avez réuni les états et les remboursements, je vous le rappelle. Les députés et les états n'accepteront jamais. Quoi donc? Parce qu'ils représentent le peuple. Et que ce peuple score toute la charge de l'impôt. Et c'est votre métier de ne pas leur laisser le choix. Mon métier est de servir le peuple. Et donc de tresser le pays contre la monarchie. Et clair. Une réforme fiscale propre. Il sera fondé sur l'équité et la justice. Oh, les grands mots sont lâchés. Voyez, mon frère, Monsieur Necker est à la main. Il ne parle plus que de justice. Alors, où trouverez-vous cet argent juste, Monsieur le banquier? Par une faute, tous. On posait selon la fortune, vous assurez les rentes des collèges, limitez les pensions des doubles. Pour cela, j'ai les plus amples de nos villes et de nos compagnies. Vous voulez donc une révolution? Au contraire, je veux l'éviter. Partout, l'on s'entend des faces de la cour. Savez-vous que la casse de la reine a plus que doublé cette année? Ça suffit, Necker. Vous devenez insolent. Réaliste, votre altesse. Simplement réaliste. Allons, monsieur. Picard, ce n'est pas de lieu de secret. Nous reprendrons cette conversation demain. Efficacité.
n'a pas vu le désemprimé. Donc 55 livres. 55 livres? Mais enfin, où faut-il que je le trouve? Il avait promis qu'il se paierait sur les ventes. Mais Camille, tu peux arranger ça? Ah oui? Et comment? Cette nuit, je serai les emprimés seuls à l'atelier. Marani Verbe le fou. Et c'est grâce à toi que je travaille chez lui. Et je n'oublie pas ce que je te dois. Merci mon ami. Demande, tout le palais royal ira Camille de Mulan, le premier révolutionnaire qui écrit. Vive la République! La liberté au peuple! Viens. Mais je la veux par le plaisir! Il faut du vent, il faut du sang, et il faut de la chaleur humaine! Et il faut des jolies demoiselles. Qui c'est celui-là? Je te présente mon ami Ronan. Ronan, parce que tu peux suivre ma part, salut. Bienvenue. Dis-moi, est-ce que tu viens entraîner ici, toi? Ah, tu me connais? Une femme? J'ai un rendez-vous. C'est l'amour, Camille. C'est toujours l'amour. L'amour sacré, l'amour charnel. Oh, je l'attends, je la devine! C'est ma petite Lucie. Monsieur Danton? Monsieur Danton? Nous sommes trouvés du côté de la rue Saint-Denis. Elle vendait son corps. Moi, je lui en parle le plus fort. Elle m'accompagne, compagne de ma lunérance. Attention, en plus, je suis marié. Le jour, c'est Mme Breton et le soir, c'est... Comment t'appelles déjà? Solène. Vous connaissez? Qu'est-ce qu'il a pensé de nous? Dardon, ta douce Inès s'appelle Solène. C'est ma petite soeur. Ah, bravo Dardon, l'agent de testament, l'ange gardien de famille, bravo. Ma famille à moi, c'est ça. C'est la France. Et pour elle, j'apporte de Montaigne. Allez, viens Camille, on s'en va aux états généraux. Excuse-le, pour Marat, je compte sur toi. Bravo, dépêche-toi. Monsieur Dardon, un meilleur prix. C'est toi qui poses la question. Pauvre Adèle, ça veut dire qu'il me paye pour son plaisir. Est-ce que ce n'est pas lui? Ce sont d'autres! Tais-toi! Non, écoute-moi! Depuis notre arrivée à Paris, tu t'es jeté un coup de vieille idée, de vos paroleurs, pour un droit de ta bouche, à violer par ton ambition. Et t'es demandé ce que je devenais? Tu avais disparu. Je t'ai cherché partout pendant des semaines. J'ai cru que tu étais parti! La fin, tu vois, tu étais seule. Oui, je suis partie. Et maintenant, je me vends un peu de moi. Et je mange! Va-t'en! Je m'attends dans mon matin.
Alors, le père, pour moi, parle en plus crête. Oui, oui.
Et puis regarde, ton nom est inscrit dans le registre de la prison. Voilà. Mais si, tu sais bien. Du nom du budget, ouvrez ces portes. Oui, voilà, donne-moi la clé. Non, parce que sinon. Au nom du roi, ouvrez ces portes immédiatement. Oh, ça va pas, pas si bon, ça en. Oula, non, mais viens ici. Du nom du budget, nous devons transférer les prisonniers Ronan Masrier sur le champ. Avez-vous un ordre écrit? Et comment, monsieur le fier? Voilà de la part du roi. Alors, tu n'es pas la clé. Il faut appeler un gars. Mais ce n'est pas un problème. C'est la vérité. Efficacité. Arrêtez-vous. C'est vous. Dites-moi, lieutenant. C'est toujours par là? Oui, oui. Je vous remercie. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Hé, hey, ok. Pas de capable. Oula. Thank you.
J'arrive de mes plages, des amis dans ma tête, non, c'est mon parti à Wingard de Belle. Des blancs, écrit dans ton journal, c'est le risque qu'on peut scouter. Dis que comme t'es sur moi, vous respirez. Nous te voulons. Nous. T'es peut-être une vieille jardin, c'est un vrai jardin de barbe français. Nous faisons de participer, mais longtemps au jardin général, tant que les vols ne sont pas engagés. Nous réclamons que chaque terre est une vieille. Un wind blanc entier est égal à chaque terminé de la noblesse et l'éclagée. Qui viennent se joindre à nous pour fonder ensemble une assemblée nationale, les deux termes de Pampouti. Bravo, Robespierre. Ah, bravo, Robespierre. Bravo. De beaux mots, de belles phrases. Et pendant ce temps-là, le peuple crève de faim. Mais vous ne changez rien parce que vous, les députés, vous êtes nantis ou corrompus. Comme ce que vous prétendez combattre. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu gestions la réalité et la justice contre toi. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Une insurrection? C'est le peuple qui empochera par la force la proscription de la privilégiée. Et nous irons jusqu'à Versailles, on verse le roi s'il le faut. Rêve de paysan. Mais oui, je suis paysan, un fils de paysan. C'est facile de chanter la liberté quand on sort du collège. Messieurs, les avocats, quand on a un père qui dort dans son lit. Je dis ça immédiatement. Moi, le mien. Sa révolte. Il a payé toute sa vie. On lui a farci la poitrine de plein. Et alors, il n'y a que les martyrs qui font la révolution. Parce que ça, donc tu vas me payer. Mais pourquoi te battre? La révolution que nous voulons, elle commence par le respect. Le respect de l'autre. Allons. Allons, ne vous range pas l'amitié sur une querelle. Réconciliez-vous. C'est un ordre. On a. Allez. Bien, et maintenant on travaille. Je suis en train de me faire un peu de temps.
mais tu es Charlie. Tu étais l'un de tous. Yvan, on croyait que je suis arrivé au bon moment. Comment tu savais? Comment tu m'as trouvé? Parce que tu vous comprends. Oui. Bien. Mais. Reste là et bouge pas. Charlie, le temps. Comment? Oula? Ne vous retournez pas, écoutez-moi. Fuyez pas le plus vite. Le condamne-toi, franchement. Condamne-toi? Mais pourquoi me poursuit-il? Je ne peux rien dire, Clément. En plus, que nous ne fuyons pas le royaume, le disparaissez. Je ne fuirai pas, je n'ai pas peur d'un camp, et même si c'est le frère de moi. Mais croyez-moi, je vous chercherai aussi, et je ne pourrai plus vous protéger. Vous protéger? Mais pourquoi veillez-vous sur moi? Parce que je suis cause de votre malheur. Parce que vous êtes proche. Et Pierre, je... Je ferai tant que vous me continuez à faire. Laissez-moi vous regarder. Voir votre vie. Eh oh, restez-là. Pour que vous soyez sage. Jamais. Je ne l'oublierai jamais. Non, non, ne partez pas. Un instant encore. Donnez-moi votre nom. Oula. Oula. Ne cherchez pas, petit prince. Elle est partie. Dis donc, t'as l'air bien triste. Ton père est une princesse. Elle est belle, hein? Il faut que tu m'aides. Je ne sais rien de comment la trouver. Ben, allez, dis-moi maintenant. Bon, bon, d'accord. Mais tu promets que... Mettez que tu iras pas chez moi. Bien. Elle s'occupe des enfants de l'autre chaîne à la cour. Le fils de Louis VI est marié à Antoinette Le Mans. Les funérailles ont lieu demain à Saint-Denis. On l'a pas comparé à Soum à la haine. Oh, tu fais la guerre pour ses
Des députés du Dires État se sont proclamés Assemblée nationale et seuls représentants de la nation. Le peuple tout entier vous défie. Que voulez-vous que tu fasses? Votre métier de roi, mon frère. Réduisez cette assemblée par la force. Ou demain, s'ils en viendront jusqu'ici, vous arrachez votre couronne et la foulez aux pieds. Tu n'en as su guère pas. Tu sens des forces. Mais elle ne vous appartient pas. Vous l'avez conçue de vos lâches. Vous devrez la transmettre à votre descendance. Mon fils est mort. Vous avez d'autres enfants. Partez vous pour vous. La France ne nous plie rien pour vous. Je ne vous permets pas. J'aime mon peuple. J'aime la France. Mais Dieu ne t'aime plus jamais. Je brise cette couronne. Voici l'ordre de fermeture de la salle des goûts du plaisir. Dès demain, les députés du tiers état ont interdiction absolue de se réunir. Signé. Nous sommes dans pas de privilèges.